Donc, création d'un live panneau. Live panneau, pour rappel, les trois grandes étapes du live panneau sont, d'une part, à la prise de vue, donc la réalisation des photographies pour le panorama, plus la prise de vue vidéo à partir du même point de vue, on va dire idéalement avec le même dispositif de prise de vue. Deuxièmement, euh, la création sous autopano. Ensuite, l'intégration d'un panneau tour pro avec le processus d'intégration du live panneau donc ça va faire l'objet d'une vidéo séparée. Donc, pour rappel, lorsque l'on regroupe les ressources pour la création d'un live panneau, on a les fichiers JPEG qui vont servir à la création du panorama. Et la vidéo. Donc la première étape va consister à lancer la vidéo. Donc on va mettre sur pause. Et de faire une capture d'écran que l'on va intégrer dans la création de la, de la visite. Voilà. Donc nous voici avec la capture d'écran que l'on va intégrer dans les vues et on va détecter le panorama. On va la réintégrer avec l'ensemble du groupe et dans les photographies, on va passer en mode fichaille par exemple pour forcer le calcul et on lance la détection. On va vérifier le résultat de l'assemblage. Vous voyez, on a un assemblage c'est impeccable. Alors, on va juste contrôler les verticales. Par exemple, on va mettre un contrôle sur la porte. Donc, ça, ce sont les opérations d'optimisation de, classique des panoramas. Et euh, par exemple, où est-ce qu'on va mettre ici sur le mur Hop, voilà. Ok, c'est un petit peu endressé. Et on est impeccable. Vous voyez, dans le groupe, on a le petit scan qui est ici. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite décocher. Alors, on va décocher la, la vision du, du snapscan euh, de la vidéo. Euh, néanmoins va rester dans le fichier projet. On va enregistrer tout de suite ses vases, live panneau donc on va le laisser ici dans le, dans le répertoire par défaut, live panneau par exemple Voilà et on va rendre le panorama dans les paramètres on va mettre des sommes rondes. PEC 12 live panneau impeccable. Et on lance le rendu. Voilà. On peut clore le projet. Et on se retrouve avec les ressources pour l'intégration du live panneau dans Panel Tour. C'est-à-dire les fichiers sources, la copie d'écran, le fichier .pano et le panorama ici même. Enfin, le fichier vidéo qui va nous servir pour la création du live panneau.